Ainsi, mon héritage, c'est une froide partie d'été sur un lit lointain baigné de soleil, pendant que les rideaux volaient devant la fenêtre ouverte au gré d'une brise légère. Je mentirais si je disais que je me rappelle l'odeur de la sueur, puisque je n'étais pas né. Au bout de 3 jours sans dormir, avec seulement 2 beignets volés dans le ventre, mes yeux commencent à diverger. L'un se barre à gauche et l'autre à droite. Il me soulève et plaque ses lèvres sur les miennes. Il plonge sa langue dans ma bouche et enfonce son visage rugueux dans mon encolure. Il me lèche, fait courir sa langue sur mon épaule et mon cou. Ses mains remontent sous ma chemise. Elle caresse mon ventre et mes flancs. Il attrape des poignées de chair, il tord, il frotte, et soudain, ses mains sont dans mon pantalon. Il déchire ma braguette, j'entends les boutons métalliques qui roulent par terre. T'es là, t'es bien, t'es en bonne santé, t'es bien vivant, ça va, t'es là. Je vois la peau pâle et blanche des aisselles et la tache brune de poils humides d'un homme perché dans une grue au milieu des lignes téléphoniques, et je sens naître une boule dans mon plexus solaire sous mon t-shirt. La vision se compose d'un fin mouvement parcellaire de l'œil. Ces petits morceaux de monde deviennent des souvenirs avant même d'atteindre le cerveau. Les images fantasmatiques sont constituées de millions d'observations distinctes, glanées parmi les formes et les textures de la pensée. La sensation croît, se répand dans ma poitrine telle une étrange fièvre qui me prend à la gorge, où sont réprimées de petites poches. Que sont Mon véhicule s'éloigne de la scène et je me retrouve à peupler les plaines arides, les collines et le ciel sans nuages. State Building, perché à des centaines de mètres dans les nuages de la lumière. Et tout cela me semble tellement parfait.
La Terre continue de tourner. Ailleurs, quelqu'un rentre spontanément en combustion. Et les mystères du monde tel qu'il m'apparaît me procurent une sorte de réconfort. Pourtant, je n'y pige rien à ces histoires d'enfer et de paradis. Et de toute façon, c'est plus mon problème. Car désormais, je suis un homme qui fait 5 mètres de haut et pèse 274 kg. C'est perdre dans un corps de 1,80 m. Et je ne sens rien que la pression. Je ne sens rien que la pression. Et tout qu'elle s'échappe. Now you never got to bed.